Et voilà, ça fait 9 ans déjà, voilà quand remonte ma dernière session sur ces berges ocre, typiques de l'Atlas où la terre est aride, caillouteuse, quasi désertique. Sacrée pièce d'eau, BO. Bin El Ouidan, c'est 3700 hectares à son niveau le plus haut et surtout du soleil toute l'année. Le plus beau sur BO, c'est son cheptel, des carpes communes pour la majorité et notamment des bossus de souches hongroises, de vrais lingots. Quant au miroir, elles offrent des écaillages dingues, dignes des plus belles constellations. Morphologie et robe, la diversité semble infinie sur ce lac. Pour cet épisode, je suis rejoint par mon wallon préféré, Nico, qui a bien imaginé ne pas pouvoir venir, suite à l'attentat du 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles. En plein cœur du Maroc, nous sommes désormais loin de la tourmente et de la grisaille. Nous sommes là, pour 8 jours, et on espère bien s'amuser et créer du souvenir. On va avec le premier poisson de notre session Bin El Ouidan. On vient de tendre les cannes, on est début d'après-midi. C'est la première canne qu'on a tendue sur la droite du poste dans une baie. Et puis on venait justement de monter les épuisettes et de tendre la sixième canne. Donc, j'ai eu un gros départ sur cette canne-ci. Donc, premier poisson de BO. Yes! Comme le dit Nico, en moins d'une heure de pêche, la session est lancée. On est ravis. On n'aurait pas imaginé trouver les carpes si rapidement. La raison est simple. On s'est levé tôt ce matin à 6h pour observer le lac en quête d'activité. Et c'est d'ailleurs sur la pointe à Stéphane où nous verrons des sauts. C'est par là que nous démarrerons notre session. Session 2016, Bin El Ouidan lancée. Voici donc la première carpe de cette session à Bin El Ouidan. Bon, c'est une petite commune, mais vu qu'on a eu la touche directement, je pense que c'est de bon augure pour arriver à en enchaîner. Et puis je suis persuadé qu'à un moment donné, on va tomber sur les poissons un peu plus gros. Mais voilà, chez nous, il faisait vraiment pas beau. Ici, c'est plein soleil, des carpes. Ça va vraiment être une chouette semaine. C'est appétissant, Nico. Ce n'est pas appétissant, c'est appétissant. Ça veut dire que ça fait faire des paix. Une fois. Petite surprise de cette nuit. Enfin, plutôt de ce matin, très tôt, vers 6h du matin. Allez, hop, on va regarder ça. Je pense qu'elle s'est bien alimentée de
de nos graines. Une jolie petite commune de 12 kilos qui me fait bien plaisir, puisque la dernière fois que je suis venu sur Vinen Widan, c'était en 2007, donc 9 ans plus tard. T'as cassé. Le soleil cogne vraiment dur ici. La température d'eau est déjà à 18 degrés pour ce début avril. Après 2 jours de pêche, nous totaliserons par chance 5 touches, comprises entre 4 et 9 mètres de profondeur. En cette période d'avant frais, les poissons évoluent plus profond qu'on l'imaginait. Nos montages, eux, sont essentiellement présentés en tricheur, sur le fond. Voilà, on avait déjà 2 spots qui déroulaient, maintenant il y a un troisième qui déroule et que les débats commencent à s'enchaîner. Le poisson qui était bien piqué. C'est une canne qu'on a tendue ce matin, dans 9 mètres d'eau. Alors Jocelyn, qu'est-ce qu'il fait ce poisson ? kg 200. Super. Voilà donc cette belle commune qu'on vient de faire à l'instant. Et puis comme vous pouvez le voir, hein, j'ai eu un beau combat. Et puis ça s'explique toujours ici à Binet-Louis-Dan par la taille des nageoires. Alors elle a décidé de pas dresser sa dorsale, mais rien qu'à voir la caudale et puis les pectorales. On se rend bien compte qu'ici c'est des poissons qui bougent beaucoup. Hein. Les combats sur BO, c'est ce qui nous a aussi motivés à revenir ici. Chaque carpe sonde et cherche la profondeur, le carbone plus. Les combats sont vraiment costauds sur ce lac, et ça rend l'aventure sur BO encore plus intéressante. C'est bon ça! On est là pour ça! Oh, c'est un beau poisson. C'est un super poisson. C'est un très très beau poisson! Wouhou! Ça c'est bon ça. Ça là elle est jolie. Une sacrée bosse sur le dos. Hein. Regarde ça. On vient d'avoir une. Ça vient de sonner sur la berge. Yeah. Yes. Bon là Jocelyn est en train de combattre le troisième poisson. Il vient de faire une commune de un peu plus de 15 kg, on n'a pas eu le temps de la peser. Dans la foulée, c'est une autre de mes cannes qui a démarré et puis j'ai fait une belle miroir de 15 kg qu'on vous montrera tout à l'heure. Et puis là, comme vous voulez voir, c'est le chantier sur le poste, on n'a pas eu le temps, on vient de mettre la miroir au sac et puis c'est une canne à très longue distance qui vient de démarrer, le vent s'est levé, donc c'est magique. On a pris le repère aussi. Un beau poisson d'un tout petit peu plus de 15 kg. Bien rond, belle commune, bien ronde. Elle s'apprête au frais et... parce que l'eau déjà est à près de 18 degrés et on est début avril. C'est ça, Béo. Voilà un joli poisson. Voilà la belle miroir qu'on a prise cet après-midi pendant la période de rush. Alors le lac en comporte peu, je pense que de mon expérience sur le lac, il y en a moins de 5%. Et ici, deuxième jour, et on prend une miroir de plus de 15 kg, donc c'est génial, c'est vraiment chouette. Par chance, une dépression atmosphérique s'est installée, accompagnée de beaucoup de vent et de pluie. On vient de basculer en dessous les 1015 hectopascales. La barre fatidique est franchie, on est ravis. On ne pouvait pas espérer mieux. Les poissons deviennent plus coopératif et les touches s'accélèrent.
entre les touches et le placement des cannes, on n'a même pas le temps de chômer. On sera d'ailleurs forcé de bâcher les abris de l'armée qui nous ont été prêtés. Quant à Nico, il tentera même de jouer au chef cuistot, en cherchant à faire cuire des merguez avec des rafales de vent à plus de 80 km par heure. Une belle commune, bien bossu, un super poisson, capturé dans près de 10 mètres d'eau, quelques poignées de maïs, et puis quelques poignées de bouillettes, et puis une grosse boule de farine, sur le plomb, avec un petit stick, sur l'hameçon, voilà, elle a été séduite. Par ce micro-amorçage, finalement. Allez, on va lui rendre sa liberté. Petit bisou pour la route. Alors ça, c'est l'eau de BO. Complètement rougeâtre. Toute l'eau est comme ça. Ça a tellement brassé, il y a eu tellement de vent. Alors, j'espère qu'elle va réussir à bien s'oxygéner. Ah là, bah si, apparemment. Elle est prête à repartir. Et ben voilà. C'est la tempête, les poissons sont au rendez-vous. Même créneau que chaque jour, entre 14 et 17 heures. Je pompe un peu. Il y a beaucoup de vent, je voudrais pas qu'elle aille se prendre dans une autre ligne. Et cette canne-là est en nylon. Donc j'ai tendance à pomper un peu plus fort. Sur les cannes en tresse qui sont destinées à pêcher un peu plus loin. Elle s'est rapprochée du bord. Je pense que je vais galérer là. Vu le vent, on a des rafales à plus de 80 km à l'heure. C'est de la folie. Avec une épuisette cassée, pour épuiser c'est pas top, hein. Avec les rafales de vent. Nous avons rapidement pris l'habitude d'enchaîner quelques touches en début d'après-midi, au moment où le vent était le plus fort. Même après toutes ces années et ces milliers d'heures au bord de l'eau, je dois dire qu'on ne s'en lasse pas. Des moments de rush, où le temps semble comme suspendu et où plus rien ne compte. Il reste votre captive et vous. Un vrai moment d'exaltation et de liberté. À la suivante! Juste de vous montrer la petite commune qu'il a fait et à peine le poisson est terminé à l'eau que j'ai posé la caméra et c'est la canne qui pêche au large qui a démarré et encore une belle commune à mon avis de ouais, entre 13 et 15 kilos. À l'eau, il y a une canne à retendre à grande distance.
troisième roche. Espace de moins d'une heure, hein, je pense. C'est un créneau où elle passe. Les cannes sont sur le passage. Celle-ci est partie à la bonne distance. Il y a tellement de vent, je peux faire la ramener du bord. Je prends des risques, mais il y a vraiment beaucoup de vent et nos moteurs sont des petits moteurs de 30 livres. Du coup, j'ai peur de ne pas pouvoir me maintenir dans le vent. J'essaie de la ramener. Elle combat lentement. J'espère que c'est un beau poisson. On va voir. Attention. Oh, les caillages. Elle est superbe. Ça, c'est les caillages. Oh, super poisson. Alors elle fait presque 18 kilos. Aujourd'hui c'est un gros temps, il y a de la pluie et autres, donc ouais, les poissons sont passés à table. Bon. Voilà, c'est la dernière canne que je ramène. On a décidé avec Nico de changer de poste. Pas parce qu'on prenait plus de poissons, parce qu'en fait on a bien identifié la pêche sur ce poste, donc on est sur la pointe à Steph. Et par contre, voilà, on a parcouru pas mal de kilomètres. J'ai regardé hier par curiosité sur mon GPS, à distance de vol évidemment, je suis à plus de 1800 km, donc je n'ai pas parcouru tout ce chemin et tout ce trajet pour rester sur un seul et unique poste. Donc ce qu'on a convenu avec Nico, qu'il est dans le même état d'esprit que moi, c'est qu'on change de poste. Donc on va aller tenter l'aventure sur un poste un petit peu plus dans le fond du lac, en espérant y trouver aussi des carpes et puis qu'on puisse se confronter de nouveau à des sauvageonnes marocaines. Bon, Jocelyn, là je pense qu'on va pouvoir manger, hein. Les cannes sont tendues, on est sur le nouveau poste, là on a quitté On a quitté ce matin la pointe à Stéphane et on est sur Yuri dans la baie des Français. On vient de bien passer les cannes et puis là je pense que ce bon spaghetti va nous faire le plus grand bien. Pomme marocaine, son nouveau record personnel en commune. Ouais. Je crois que c'est le record du plus petit poisson capturé. Une petite commune. C'est terrible, on est sur un poste. C'est Pinsland. Et je vais la remettre à l'eau. Allez. Installé sur l'île de Yuri pour nos trois dernières nuits, le poste nous offre une énorme ouverture de pêche à 360 degrés et de la diversité, avec des fonds allant de 3 à 30 mètres et où s'alternent des plateaux en pente douce et des cassures abyssales. Le poste est top et très prisé d'ailleurs pour ses grandes captures. Assez curieusement, on prendra essentiellement des petites carpes. Notre choix n'a finalement pas été le plus malin.
On est tributaire du bateau plateforme pour nos déménagements et c'est bien dommage. Avec notre propre matériel, nous aurions déjà bougé en quête d'un poste plus prometteur. Tant pis, nous terminerons donc notre session sur cette île magnifique qui nous laisse entrevoir un cadre grandiose et où nous cherchons à apprécier chaque moment de cette belle aventure atypique et pleine de charme. Bonne vieille cramouille. Voilà, sans doute le dernier poisson et un petit poisson de cette session sur BO, après 8 jours de pêche, ici en plein cœur du Maroc, dans les montagnes de l'Atlas. Voilà, on a passé avec Nico un super moment, j'espère que vous allez pouvoir apprécier les images. Et ben voilà, on termine cet épisode numéro 1 de Destination H2O sur cette toute petite commune qui ne demande qu'à grandir. Mais finalement, petite ou grande, on les aime toutes. Ciao. Ciao. Bon Nico, pain, là. Ouais. C'est la fin. C'est la fin. On rentre. Ah, il y a même à manger pour ce midi, c'est parfait. Ça. Voilà, bah, le poste est repris par des amis en plus. On espère qu'ils vont trouver les grosses carpes, on va trouver des petites sources spot-ci, mais on a passé une belle semaine ici au Maroc. C'était chouette.